Et depuis la mission entre la CAO, le pays, il y a deux bagages qui font pour le pays. Ou pas besoin d'investissement étranger. Depuis le pays qui a mis force de maintien de la paix à la CAO, ou pas besoin d'investissement. Et les États-Unis, pas vrai, ils ont besoin d'investissement. Deuxième bagage, il faut. Alors, mission de maintien de la paix, qui a des âmes. Deuxième bagage, il faut. Il n'y a pas de séparer les âmes dans toute bidonville. Ceci, sont deux là. C'est son bagage général, oui. Depuis mission de maintien de la paix entre la CAO, c'est deux résultats. Deux résultats, deux conséquences pour pays. Un, ou pour commencer par ou pas jeune investissement. Bon, m'a fonti coca la avant vous. En 2003, une délégation d'hommes d'affaires. 2005, une délégation d'hommes d'affaires haïtiens qui dans cadre rapport avec l'ambassade d'Allemagne. Et puis, il y a une visite en Allemagne. Il y a rencontré des hommes d'affaires allemands. Et puis, il a fini de rencontrer les hommes d'affaires. Il a parlé, il a été intéressé pour venir en Haïti. OK. Et puis, les hommes d'affaires haïtiens sont très contents. Maintenant, qui domaine Haïti a eu un investissement. Haïti a... OK. Et puis, les hommes d'affaires allemands sont contents. Ils disent Haïti, Haïti est un pays qui, ça fait longtemps, plus d'un siècle, qui a eu un très bon rapport avec l'Allemagne. Tu as une communauté allemande même qui devine. Établi dans le cadre de relations pour faire business en Haïti, jusqu'à présent, le temps des types pénales, tout le monde a d'origine allemande. Mm-hmm. Et puis, homme d'affaires très intéressé. Je viens de parler avec homme d'affaires haïtien. Deux bails qui étaient pour faire transfert de fonds, et puis rentrer en Haïti. Et puis, avant, je viens de rentrer en Haïti, pour transférer le COB, et puis, je viens d'Angela Merkel, on rencontre une délégation d'homme d'affaires. Et puis, je viens d'Angela Merkel, je dis, ah, et nous sommes pour parler avec une délégation d'hommes d'affaires haïtiens, nous intéressés pour nous faire business en Haïti. On dit avec elle, découragez il dit Haïti, il y a un ministre. Depuis ce pays, il y a une force de maintien de la paix, pays n'est pas crédible. Il n'est pas stable. Il pas stable. Pas si nous voulons, à la République dominicaine, mais pas à Haïti. Wow. Bon, réalité. Ça dit que depuis, ouais, c'est ça seulement les États-Unis fait pour vous pendant ces 30 dernières années, mission. Il n'y a pas de investissement. Parce que le est depuis mission en vini, pas d'investissement qui vient dans le pays. On pense que ça pourrait aller dans le couille des bandits pour nous. On pense que ça pourrait aller dans le couille des bandits. Mais c'est sa mission, hein? Ah, mission. Et pour mission de paix, non? Hein? Son mission qui est claire dans la résolution de l'ONU pour venir démanteler les gangs. Ou une mission de la paix, les gens qui ont démanteler les bandits. À travers le monde, jamais David. Ou pas de ça que tu es avec M23 ou avec même force Kenya ou à la République démocratique du Congo. La journée, yo, là, tu es tout partout. À soi, on rencontre avec Negue et Bayozam. Donc, c'est ça qui peut passer là ou mais ou crainte pour ça va arriver? Non, même crainte pour ça, mais ça, ça fait dans tout pays qui est force de maintien de la paix. La journée, yo montre, yo déterminé, à soi, y'a et Bayozam, yo dit, yo rentre et puis fond. Tout, vous voulez dire, tout dès que bandit la mettre à l'aise? M'a dit ça. Bah dit ça. Bagay pour me dire ça. Mais moi-même vivre ça. C'est une expérience qui fait déjà. Exactement. Notamment en Haïti. Comme journaliste qui doit apprendre CM de force du maintien de la paix, bah jamais on force du maintien de la paix qui baille résultat. On espère que comment ça nous espérer que la police et l'armée redoublent de vigilance et puis si force là accompagne yo, yo capable résultat. Mais pas attendre si force ça qui baille gazi bandi. Non. Si la police et l'armée redoublent de vigilance, parce que moi, le gouvernement américain vient à quelques blindés pour la police, en fait, c'est des magogies, j'en connais déjà. Et puis, force ta cavine en appui, on sait, et puis veille force à pour la nuit pour apporter des ambabandis. Parce que vous faites ça dans tout le pays. Tout le côté, vous faites ça. Depuis un quartier populaire, vous prenez l'autre zone. Il y a 20 zones et 20 munitions. Il y a 20 zones et puis il y a baillé tout dans la zone. Ou quand le ministre a été fait, il est descendu de soleil et puis il y a un pick-up. Il y a un paquet M16. Il a abandonné. Il y a un match à pied et puis il y a devant et puis pick-up là et puis tout le monde. Et puis il y a des amis qui ont pris. Et puis quand il y a un grand monde pour les amis, qui est-ce qui sépare les amis? C'est un ministre. Il fait le bel air, il fait Matissan, il fait ici de soleil. Donc, je pense que le pays est. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Pour que ça dit que la fête est même si c'est 50%, je pense que Haïti est allé en soi. Depuis la mission entre la CAO, le pays, il y a deux bagages qui font pour le pays. Ou pas besoin d'investissement étranger. Depuis le pays, il y a une force de maintien de la paix à la CAO, ou pas besoin d'investissement. Et les États-Unis, pas vrai, Haïti, besoin d'investissement. Deuxième bagage, il faut. Alors,
mission de médecins de la peine qui gagne des âmes. Deuxièmement, les bras forts, ils vont essayer de séparer les âmes dans toute bidonville. Ceci, soit nous là, c'est son bagage général, oui. Depuis mission de maintien de la paix entre la caillou, c'est deux résultats. Deux résultats, là, deux conséquences pour pays. Un, on va commencer par ou pas de investissement. Bon, ma fonti, coca la fonti avant vous. En 2003, on a délégation d'hommes d'affaires. 2005, on a délégation d'hommes d'affaires haïtiens qui, dans le cadre de rapport avec l'ambassade d'Allemagne, et puis, il y a une visite en Allemagne. Il y a rencontré des hommes d'affaires allemands. Et puis, il a fini de rencontrer des hommes d'affaires. Il a parlé, il a été intéressé pour venir en Haïti. Ok. Et puis, les hommes d'affaires haïtiens sont très contents. Maintenant, dans quel domaine Haïti a eu un investissement Haïti. Ok. Et puis, les hommes d'affaires allemands sont contents. Ils disent Haïti, Haïti, son pays qui, ça fait longtemps, plus d'un siècle, tu as un très bon rapport avec l'Allemagne. Tu as une communauté allemande même qui devine. Établi dans le cadre de relations pour faire business en Haïti jusqu'à besoin de temps des types ouais, tout le monde ça il est d'origine allemande. Et puis homme d'affaires très intéressé, je viens parler avec homme d'affaires haïtien, deux bails qui étaient pour faire transfert de fonds et puis rentrer en Haïti. Et puis avant il est venu rentrer en Haïti pour transférer le cob, et puis au moment d'Angela Merkel on rencontre une délégation d'hommes d'affaires, et puis il vient d'Angela Merkel, il dit ah. Et nous sommes pour parler avec une délégation d'hommes d'affaires haïtiens, nous intéressés pour faire business en Haïti. On dit avec elle, découragez il dit Haïti, il y a un ministre. Depuis ce pays, il y a une force de médecine de la paix, pays pas crédible. Il n'est pas stable. Il pas stable. Pas si nous voulons, à la République dominicaine, mais pas à Haïti. Wow. Bon, réalité. Ça dit que depuis, ouais, c'est ça seulement les États-Unis fait pour vous pendant ces 30 dernières années, mission. Il n'y a pas besoin d'investissement. Parce que le est depuis mission en vini, pas d'investissement qui vient dans le pays. On pense que ça pourrait aller dans le coup des bandits pour nous. On pense que ça pourrait aller dans le coup des bandits. Mais c'est ça la mission, oui. Ah, mission. Et pour mission de paix, non? Hein? Son mission qui est claire dans la résolution de l'ONU pour venir démanteler les gangs. Ou une mission de la paix, de gens qui ont démanteler les bandits. À travers le monde, jamais David. Ou pas de ça que tu avec M23 ou avec même force Kenya ou à la République démocratique du Congo. La journée, là, a tiré tout partout. À soi, il rencontre avec Negue et Bayouzam. Donc, c'est ça qui peut passer là, mais c'est... ou crainte pour ça va arriver. Non, même crainte pour ça, mais ça, ça fait dans tout pays qui est force de maintien de la paix. La journée, il montre, il déterminé, à soi, il y a Banegue et Bayouzam, il dit, il rentre et puis font. Tout, vous voulez dire, tout est bon, je la mettre à l'aise. M'a dit ça. Bah dis ça. Bagay bagay pour me dire ça. Mais moi-même vive ça. C'est une expérience qui fait déjà. Exactement. Notamment en Haïti. Comme journaliste qui doit apprendre de force du maintien de la paix, bah jamais on force du maintien de la paix qui baille résultat. Non, mais on espère que comment ça gagne. Nous espérons que la police et l'armée redoublent de vigilance et puis si force là accompagne yo, yo capable baille résultat. Mais pas attendre si force là qui va gazer bandi. Non. Non. Si la police et l'armée redoublent de vigilance, parce que moi et gouvernement américain vient à quelques blindés pour la police, et, en fait, c'est démagogie, j'ai encore fait déjà. On voit. On voit. Et puis, force ta ka vin en appui, on sa yo, et puis veille force ta pour la nuit pour apporter Zamba Bandi. Parce que on fait ça dans tout le pays. Tout le côté, on fait ça. Depuis un quartier populaire, ou prenez l'autre zone. Il y a 20 zones, 20 munitions. Il y a 20 yo et puis il y a baillé tout dans la zone. Ou quand ça a ministre a fait, il descend ici de soleil et puis il y a un pick-up. Il y a un paquet M16. Il a abandonné. Il y a marché à pied et puis il y a devant et puis pick-up là et puis tout le monde. Il y a des amis qui ont pris. Et puis quand il y a un grand monde qui prend les amis, qui est-ce qui se fait les amis? C'est un ministre. Il fait le bel air, il fait le matissant, il fait ici de soleil. Donc, moi, c'est au pays. Il faut être vigilant. Il faut nous vigilant. Il faut être vigilant. Pour que ça que dit que la fête, c'est que même si c'est à 50%, je pense que Haïti est en soi. Depuis la mission entre la caillou, le pays, il y a deux bagailles faire pour le pays. Ou pas besoin d'investissement étranger. Depuis le pays, il y a une force de maintien de la paix à la caillou, ou pas besoin d'investissement. Et les États-Unis, pas vu Haïti, besoin d'investissement. Deuxième bagaille, il faut. Alors, mission de maintien de la paix qui gagne des âmes. Deuxièmement, les bras forts, ils vont essayer de séparer les âmes dans toute bidonville. Ceci, soit nous là, c'est son bagage général, oui. Depuis mission de maintien de la paix entre la caillou, c'est deux résultats. Deux résultats, là, deux conséquences pour pays. Un, on va commencer par
ou pas de jeune investissement. En 2003, gon délégation d'hommes d'affaires. 2005, gon délégation d'hommes d'affaires haïtiens qui, dans le cadre de rapport avec l'ambassade d'Allemagne, et puis ils font visite en Allemagne, ils rencontrent des hommes d'affaires allemands. Et puis ils ont fini de rencontrer les hommes d'affaires, ils ont parlé, ils ont intéressé pour venir en Haïti. Ok. Et puis les hommes d'affaires haïtiens sont très contents, mais dans quel domaine, Haïti a eu un investissement, Haïti a... Ok. Et puis, les hommes d'affaires allemands sont contents, ils disent Haïti, Haïti est un pays qui, ça fait longtemps, plus d'un siècle, tu as de très bons rapports avec l'Allemagne, tu as une communauté allemande même qui devine établi dans le cadre de relations pour faire business en Haïti, jusqu'à présent, le temps des types pénards, tout le monde est d'origine allemande. Mm-hmm. Et puis, homme d'affaires très intéressé, je viens parler avec homme d'affaires haïtien, deux bails qui étaient pour faire transfert de fonds, mm-hmm. et puis rentrer en Haïti. Et puis, avant, je viens rentrer en Haïti, pour transférer le COB, et puis, je viens d'Angela Merkel, on rencontre une délégation d'homme d'affaires. Et puis, je viens d'Angela Merkel, je dis, ah, et nous sommes en pour parler avec une délégation d'hommes d'affaires haïtiens, nous intéressés pour nous faire business en Haïti. On dit avec elle, découragez-vous. Il dit Haïti, il y a un ministre. Depuis ce pays, il y a une force de maintien de paix, pays n'est pas crédible. Il n'est pas, pas stable. Si nous voulons, à la République dominicaine, mais pas à Haïti. Wow. Bon, réalité. Mm-hmm. Ça dit que depuis, ouais, c'est ça seulement les États-Unis font pour pendant ces 30 dernières années, mission. Il n'y a pas de investissement. Parce que le est depuis mission en vini, pas d'investissement qui vient dans le pays. On pense que ça pourrait aller dans le coup des bandits pour nous. On pense que ça pourrait aller dans le coup des bandits. Mais c'est sa mission, hein? Ah, monsieur. Et pour mission de paix, lui, non? Hein? Son mission qui est claire dans la résolution de l'ONU pour venir démanteler les gangs. Ou une mission de la paix, de gens qu'on est qu'elle démantèle les bandits? À travers le monde, jamais David. Ou pas de ça que avec M23 ou avec même force Kenya ou à la République démocratique du Congo. La journée, yo, là, tiré tout partout. À soi, on rencontre avec Negue et Bayozam. Donc, c'est ça qui peut passer là. Mais ou crainte pour ça va arriver. Non, même crainte pour ça, mais ça, ça fait dans tout pays qui est force de maintien de la paix. La journée, yo montre, yo déterminé. À soi, y'a et Bayozam, yo dit, yo rentre puis fond. Vous voulez dire, tout dès que bandit la mettre à l'aise. M'a dit ça. Bagay pour me dire ça. Mais moi-même, vivre ça. C'est une expérience qui fait déjà. Exactement. Notamment en Haïti. Comme journaliste qui dit qu'il y a un CM de force du maintien de la paix, je ne vais jamais en force du maintien de la paix qui baille résultat. Aucun pays. Nous espérons que la police et l'armée redoublent de vigilance. Et puis, si force là accompagne, il y a un bon résultat. Mais pas attendre si force là qui va gazé bandit. Non, non. Si la police et l'armée redoublent de vigilance, parce que moi, le gouvernement américain vient à quelques blindés pour la police, en fait, c'est démagogie, j'en ai fait déjà. Et puis, force ta ka vient en appui, et puis veille force ta pour la nuit pour apporter des armes à bandits. Parce que vous faites ça dans tout le pays. Tout le côté, vous faites ça. Depuis un quartier populaire, vous prenez l'autre zone. Il y a 20 armes et 20 munitions. Il y a 20 yo, et puis il y a baillé tout dans la zone. Ou quand ça a ministre a été fait, il est descendu de soleil et puis il y a un pick-up. Il y a un paquet M16. Il a abandonné. Il y a un match à pied, et puis il y a devant, et puis pick-up là, et puis tout le monde, et puis il y a des amis, et puis il y a un point, et puis quand il y a un grand monde pour les amis, qui est-ce qui se voit les amis? C'est un ministre. Il fait le bel air, il fait le matissan, il fait ici de soleil. Bon, donc, moi, je pense que c'est au pays. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Pour que ça que dit que la fête, c'est que fait, même si c'est à 50%, on pense qu'il y a un tir à l'ensemble.